Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillé, vous êtes dans votre lit et vous avez le beau soleil. Attendez, je vais vous le montrer. Bonjour. Ouais, le soleil là-bas. Bonjour, monsieur soleil. J'ai super bien dormi. J'espère que vous aussi. Bon, je veux qu'on parle de l'état mental, ok? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous dites que la vie est toujours rose. Bon, merci Eugène déjà. Merci pour ceux qui ont aimé la vidéo. Merci pour le partage. Avoir le moral, c'est quelque chose qui est délibéré. Ça ne vient pas seul. Ok? Garder le moral haut, c'est quelque chose que... Voilà, par exemple, tu te réveilles. Tu ne fais pas attention. Tu auras des choses qui vont vouloir te décourager. Voilà, j'ai trop de factures. Cette chose que je fais depuis, ça n'avance même pas. Qu'est-ce que je fais même dans la ville ici? Tu as des pensées qui vont venir, hein? Donc, déjà, vous devez avoir des encens. Je vous rappelle, je vends les encens. Donc, l'encens, tu brûles juste une brindille comme ça. Certes, c'est très fin, mais ça se propage dans toute la maison parce que l'air communique. Voilà. Tu peux brûler ça ici. Quelqu'un est à 200 mètres de ta maison. Ça arrive chez lui. Pas qu'il sent forcément l'odeur de ça, mais l'air, ça passe dans l'air. Voilà. Donc, merci pour les j'aime et les partages. Donc, quand tu allumes ça, vous n'avez toujours pas de son?
Faites-moi des likes si vous n'avez pas de volume sur Facebook. Tu as rêvé de moi, on a parlé du blanc avec qui tu es. Je t'ai dit qu'il va venir. Certains disent que c'est bon, certains disent qu'il n'y a pas de son. Vraiment, comment vous êtes mixé autant? Bon, je vais continuer. Je disais ceci, vous devez avoir des outils spirituels. Parce que vous allez être attaqué. Et je sais que vous n'en êtes pas conscient. Même si tu vis seul dans ta prison, dans une, tu es parti sur une île. Là-bas, l'air, tu vas respirer l'air, non? Les pensées vont te trouver là-bas. Et tu ne peux pas voir quelqu'un qui a un certain succès. Quelqu'un qui a quelque chose qu'il a accompli. Que ce soit quelqu'un qui a eu 50 ans de mariage. Que ce soit quelqu'un qui a une entreprise avec 300 employés, 2000 employés, 4000 employés. Que ce soit quelqu'un qui est arrivé en Europe, qui s'est battu, a percé dans la France. Et aujourd'hui, il a deux immeubles. La personne va te dire qu'il y a les jours, il a traversé les batailles de pensées. Et votre problème, c'est parce que vous n'avez pas appris à vaincre vos batailles de pensée. Il y a les objets spirituels, il y a les outils physiques. Il y a aussi les, on appelle ça des mantras, des sortes de routines que tu dois faire. Quand tu, parce que tu, dois, tu peux sentir, tu sens quand l'esprit de dépression vient sur toi. Donc là, je rappelle que j'ai déjà mis l'encens. L'encens repousse les mauvais esprits. Si tu n'as pas d'encens, supposons que tu n'as pas pu acheter ça. Si vous avez les églises dans vos villages, là, je ne sais pas trop. Dans les églises, ils vendent des encens. Non. Ceux qui veulent vous acheter aussi chez moi, hein, ma képé à Libreville, je vends les encens. En France aussi, on vend les encens. Donc, l'encens, tu dois faire l'effort de le brûler. Même pas que tu dois faire l'effort, brûle l'encens tous les jours. De la même façon que la poussière vient dans ta maison tous les jours, tu auras les mauvais esprits qui vont venir chez toi. De la même façon que la télé arrive chez toi, là, que si tu branches, tu me vois sur TikTok, tu me vois sur Facebook, tu as les mauvais esprits qui vont venir dans ta tête. Donc, il y a des choses comme les bonnes odeurs, les bonnes senteurs. L'eau de colonne aide beaucoup. Parce que ça restaure, je sais pas, c'est un truc que ça fait, ça chasse les mauvais esprits, les mauvaises pensées. Parfois, tu es de mauvaise humeur, tu sens une bonne odeur comme ça, ça te réveille. Quand je te réveille le matin, lavage au sel obligé, lave-toi avec le sel, sauf quand tu as tes règles. Parce qu'en te lavant avec l'eau salée, ceux qui sont à côté de la mer, tu peux aller puiser l'eau dans la mer. Tu es en train de faire une connexion, merci pour les likes, bonjour sur TikTok. Tu es en train de faire une connexion, tu ouvres un portail, et pendant que tu ouvres ce portail, tu dois parler. Pour aujourd'hui, je veux ça. Tu peux peut-être te réveiller. Parce que l'ennemi ne va utiliser tes pensées contre toi. Il va te dire des choses qui sont réelles, c'est là. Regarde, ça fait 3 mois. Est-ce que votre relation marche encore? Regarde-le. Quitte-le. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, regarde. Est-ce qu'il t'a appelé hier soir? Alors peut-être hier il est rentré, il était fatigué. Il a perdu son téléphone ou bien... Quitte-le. Arrête-moi ta relation là. Regarde-toi depuis que tu travailles là-bas. Avec le même salaire. Avec le même salaire. Bonjour, mon numéro c'est le 693 50 22 66. TikTok me fait des scènes. TikTok a parfois des. TikTok va te bloquer, va te dire que oh, tu ne peux plus mettre. Tu ne peux plus mettre même ton profil. J'avais mis mon numéro sur mon profil sur TikTok, ils m'ont enlevé. On disait que j'ai enfreint les règles de quoi. TikTok est particulier. 693 50 22 66. Donc 00237 693 22 66. Vous allez le WhatsApp. Donc quand les pensées vont venir, ce seront des choses qui sont vraies. Regarde. Tu prends ton salaire chaque mois. Est-ce qu'il te reste même 50 000? Ou 50 euros. Tu travailles chez l'homme là de pièce, qui t'a même reconnu? Chaque jour, il t'insulte, tous les jours, il t'insulte. Il te paye, il t'a jamais donné le pouvoir. Le commerce que tu fais, regarde-toi, depuis 10 ans aussi, tu n'as pas les papiers. Tu as fait 3 demandes de visa, tu n'as pas eu.
J'ai reçu une dame ici hier à Libreville. Je consulte à Libreville, Douala, Abidjan. Je fais des consultations partout, consultations à distance. J'ai reçu une dame, elle me dit, ça fait 3 ans. Elle est partie au Cameroun pour un deuil, je ne sais pas trop quoi. Elle est revenue. Dès qu'elle est revenue, elle a touché la terre pour Cameroun, c'est quoi là-haut. Toutes ces choses ont commencé à chuter. Elle a voulu aller dormir sur le canapé de quelqu'un. Et elle fait un travail que elle n'a même jamais rêvé qu'elle pouvait faire ça. Tu commences à 22h, tu finis à 10h le matin. Boîte de nuit sûrement. Tu la vois, tu sens que c'est une fille qui a le teint, tu sens que son teint c'est encore là un peu. Tu sens que c'est une femme qui s'entretenait. Elle avait un salon de coiffure, elle avait un salon de soins, je ne sais pas trop quoi. Quand on l'a frappée, elle dit qu'il était sa tante. Quand sa femme, ta tante, elle a frappé. Maintenant, je vous ai lu Deutéronome hier. Ma page Facebook, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E espace G-I-F-T espace T-I-D-I-G-G-E-R Academy. The Gift Digger Academy. Maintenant, je vous ai lu Deutéronome chapitre 8. Et ça, c'est la parole que je lui ai encore donnée hier. Certains d'entre vous, hein, vous avez eu l'argent, il y a cela. Vous avez eu l'argent. Actuellement, là, vous avez chuté. Et c'est quand tu es au sol que Dieu veut tester ton cœur. Est-ce que tu vas apprendre à te maîtriser spirituellement? Parce que ta première bataille, c'est dans ta tête. Ta première bataille que tu dois vaincre, c'est que si j'ai l'argent dans ma poche où il n'y a pas, le matin, je me lève. Le matin, je me lave, je m'habille. Je fais mon bain au sein. Je m'habille. Je frotte mon vieil huile sur moi. Bonjour. Alors, comment ça va? Oh, oui. Tu te comportes comme si l'état de tes poches n'avait pas d'importance. Voilà votre premier combat. Deuxième, la fidélité au principe spirituel que tu vas apprendre. Peut-être la première fois et deuxième fois que tu étais riche, c'était le hasard. C'était le hasard. Tu t'es dit, I woke up like this. C'est quand tu tombes, Dieu t'apprend à écouter tes rêves. Dieu t'apprend à te réveiller, tu t'assois, tu prends au moins 5 minutes. Tu me dis, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va me faire avancer spirituellement? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va aider quelqu'un sur cette terre? Dieu, quelle est ma mission pour cette journée? Il te dit, j'ai écrit. Dieu te dit, apprends à faire le Reiki. Apprends à lire les chakras. Apprends à faire le tarot. Apprends. Je ne sais pas, quelqu'un sur TikTok a vu mon bracelet. Lui, ça c'est le bracelet des voyants. On met généralement sur les deux. C'est ça. Merci pour les cœurs que vous m'envoyez sur TikTok. Merci. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Beaucoup de cœurs, merci. Merci, Serzan. Bonjour, Fabi. Bonjour, Ngaba. Bonjour, Étoile Filante. Bonjour, Leslie. Leslie, ta question est hors de ce que je dis. C'est pour ça que je ne te réponds pas. Bonjour, Marie-Claire. Et Wanné, bonjour. Bonjour, Marius. Bonjour TRM11, bonjour Abdou, bonjour Ezekiel. Merci de partager ma vidéo, merci. Merci Aimé cette Marie pour les cœurs. Merci. Naturellement votre bonjour. Merci pour les cœurs, merci, merci. Étoile Filante, merci pour les cœurs. Christelle Nana, merci pour les cœurs, bonjour. Cette pierre, c'est le rose quartz. Ceux qui sont à Douala, on vend ça à Douala, en France aussi. Ça, c'est l'œil de tigre. Bonjour, la reine Léa. Bonjour, naturellement, votre bonjour. Vous avez bien dormi? Je vous fais mon joli sourire charmeur. Vous avez bien dormi?
je sais que vous êtes réveillé et vous avez toujours les mêmes problèmes que vous aviez hier à 22h avant de dormir. Maintenant, je veux que vous compreniez que vos problèmes-là ne vont pas se résoudre seuls. Il va très bien. Naturellement, votre bonjour Yaoula. Bonjour Hollande. Vous suivez? Vos problèmes sont là pour tester votre attitude. Les problèmes là, il y a certaines situations de votre vie qui ne vont pas quitter tant que vous ne changez pas d'attitude. Tu as un problème d'1 million depuis trois mois. Jusqu'à ce que tu te lèves un matin, tu dis, mais 1 million c'est rien. 1 million c'est rien. Mais attends. 2 semaines plus tard, t'es 1 million là, le problème est résolu. 2 semaines plus tard, le problème est résolu. Parce que la montagne qu'il y avait dans ta tête, tu as mis ça à terre. Nadia, bonjour. Nadia Soleil. Bonjour Maïlis. Bonjour aux nouveaux abonnés. Sur Facebook, bonjour aux nouveaux abonnés. Donc, vous allez avoir des problèmes qui viennent de l'extérieur. Vous allez avoir les imprévus. Et vous allez avoir vos propres pensées qui vont venir jouer dans votre tête. C'est pour ça que la Bible aide beaucoup, parce que la Bible contient des pensées et aussi des motivateurs. Il y a parfois des personnes que quand tu écoutes, la personne peut te raconter son histoire. Comment elle est partie de rien. Elle a peut-être souffert, elle a peut-être traîné sa fille pour aller vendre. Particulièrement moi, je sais que jamais je tirais la main de ma fille pour aller vendre des beignets quand j'étais en Angleterre. Des nuits où je passais le temps, je devais peindre les maisons que je louais. Je faisais la peinture moi-même. Je décorais moi-même. Je mets Napoléon Hill pendant que c'est en train de jouer. Ma fille est là, elle se bat aussi avec son petit pinceau là-bas sur le sol. Moi, je suis en train de faire les murs. Je pouvais prendre 3 semaines pour faire une maison de 5 chambres. Pendant ce temps, je travaillais plus sur mon mindset. Ma tête, sur mes pensées. Parce que ce que tu gagnes, ce que tu connais et ce que tu fais, ce que tu crois que tu peux faire, c'est en fonction des pensées que tu as dans ta tête. Donc j'ai dû m'exposer, tu dois t'exposer aux vidéos. Et aujourd'hui, on a l'avantage qu'on a plein de vidéos en ligne. Tu peux rester à Pamongoum, tu restes au fin fond de Pointe-Noire ou le Port-Gentil. Tu regardes quelqu'un qui a fait une vidéo à Washington, au Pentagone. Tu écoutes, tu peux maintenant écouter les milliardaires américains parler. Donc il y a des choses, il y a des pensées que ces gens-là vont nous donner. C'est vrai qu'ils ne donnent pas tout en ligne. Il y a des pensées qu'ils vont nous donner. Règle numéro 1. Ne jamais abandonner. Allez, je lis Josué chapitre 1. Parfois vous croyez que c'est une autre personne qui devait vous encourager. C'est votre boulot de vous encourager. Bonjour Fanus. Sarah, bonjour. C'est toi qui dois t'encourager. Ce n'est pas le boulot de quelqu'un. C'est pour ça que quand quelqu'un t'encourage, à un niveau, c'est la limite. Et quelqu'un ne peut t'encourager qu'à la limite de sa part qu'il connaît. Il ne peut te donner que ce que j'ai. Donc, vous devez développer un mental. Et le mental vient avec les pensées. Les pensées sont prises par la lecture, les audios qu'on écoute, les vidéos qu'on regarde, les personnes autour de nous qu'on observe. Donc tu vas développer ta capacité à voir le bon. Tu pars, tu vois quelqu'un ça, tu prends le bon dans la personne. Quand Paul a dit, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is worthy of good report, let it occupy your thoughts. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qu'on raconte, c'est bien. Tu dis, waouh! Il dit que ça fasse l'objet de tes pensées. C'est parce que Paul connaissait, où c'était Pierre, entre Pierre et Paul. Il savait que les pensées que tu laisses dans ta tête, c'est comme un liquide que tu verses dans la machine à écraser. C'est ce que tu as mis dans la machine qui va sortir de la machine. Donc, soyez très méticuleux sur ce que vous écoutez.
Voilà la première chose qui vous détruit. Et vous devez aussi lire beaucoup de biographies. Les histoires qui encouragent. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez un penchant pour les histoires dégueulasses, genre, ouais, ils se sont mariés, après il a trompé, après elle l'a découvert, après elle a mis le remède dans sa voiture, et puis ils sont tous morts. Voilà, fin, une fin tragique. Il a découvert qu'elle trompait le trompait, il est venu, il a découpé le gars, il a découpé la femme, après il a... Cherchez ce qui est vertueux. Elle est arrivée ici, elle n'avait même pas 5 francs dans sa poche. Elle a fait 4 boulots pendant ce temps qu'elle étudiait. Après, elle a eu l'accès pour la grande université là, en ligne. Après, elle a fait 6 ans au lieu de 4 ans d'études. Elle a eu sa licence. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes avocates. Ça te dit, waouh, moi aussi, attends un peu, mais attends. Elle n'avait pas de papier pendant 10 ans. Et aujourd'hui, elle a 3 magasins à Paris. Waouh. Moi aussi, je peux. Ça fait seulement 2 ans que je n'ai pas mes papiers. Je peux. Je peux. Au lieu que te dise, ah, maman, voilà, elle a fait 15 ans ici. 15 ans. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais le boulot. Maman, regardez. Tu te regardes, tu regardes, tu n'as pas de situation. Ça fait 3 mois que tu es là. Tu dis, hé, hey, Seigneur. Hé, yeah, Seigneur. Voilà les gens qui ont fait 15 ans ici. Hé, yeah, Seigneur. Tu vois que tout, voilà. Hein. Tu as le choix. Et ça se passe dans ta tête. Bonjour, Ezi. 191. Merci pour vos cœurs. Merci, vous êtes vraiment gentils. Merci. Et il y a aussi une autre attitude. Parce que nous tous, on est... Il y a des demandes d'argent sur nous chaque jour. Il y a des demandes d'argent. Récemment, on a eu perte dans une autre famille. On a perdu quelqu'un de très cher. Et... L'enterrement se passe d'ailleurs dans 2 jours. Et au milieu de ça, je suis en train de faire tellement de travaux dans 3 pays différents. Je reste comme ça, je dis, ah! Ce matin, je me lève, je regarde, pendant que je regardais Madame Soleil, je pense que le soleil, c'est une femme. Je regarde Madame Soleil, elle me dit, hier, tu m'as vu aller me coucher, donc je dis oui. Mais tu me vois me pointer aujourd'hui, donc je dis oui. Elle me dit, c'est l'attitude que vous devez avoir. Merci, la reine Gloria. C'est l'attitude que tu dois leur dire d'avoir. On ne peut jamais mettre une demande sur toi que tu ne peux pas répondre. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous abandonnez rapidement. Vous aimez le confort. Le mois passé, tu avais les factures et les demandes et les engagements de 4 millions. Le mois ci, ça monte à 6 millions. Ma chérie, lève-toi. Tu portes ton habit. Tu dis, ça va aller. Si j'ai les demandes de 6 millions sur moi, ça veut dire qu'il y a au moins ces 10 millions dans mon énergie. Si j'ai les dettes de 2 millions, ça veut dire que dans mon énergie, il y a au moins 5 millions. Voilà l'attitude que tu as le matin avant d'aborder la journée. Parce que à tout moment, tu attires par tes pensées. Vous voyez la chanson de Sia là, non? I'm unstoppable. Il faut aller lire ses lyriques. Elle dit, je suis comme une Porsche Cayenne qui n'a pas de frein. On ne peut pas me briser. On ne peut pas me stopper. Je n'ai pas de besoin de pile pour jouer. Et elle dit, je suis unstoppable aujourd'hui. Unstoppable today. Unstoppable today. Vous devez... Parfois, quand on voit les stars, on se dit, ah, mais si elle a l'argent, elle a l'argent. Je suis sûre qu'elle a composé la chanson là un jour où... Gars, c'était chaud dans sa tête ce jour-là.
sûrement les paparazzi. On a sorti une mauvaise nouvelle sur elle. On lui a dit qu'elle doit 5 millions de dollars là-bas. Elle a dit ceci. Elle est restée comme ça là. On dit que mince. Après, dit I'm unstoppable. Parce que vous devez toujours avoir en vous un dernier fil là, une dernière cartouche. Que même si tu n'as rien, tu es dans la rue. Bonjour. Comment est-ce qu'elle peut sourire? Elle n'a pas de maison. Elle doit la gare du Nord. Bonjour madame, vous êtes très jolie ce matin. Bonjour. Bonjour. Il y en a parmi vous que c'est dur pour vous de sourire. Hein? Parce que vous croyez que le monde entier vous doit. Tu peux être là qu'on t'a bloqué, qu'on t'a bloqué de tous les côtés. Mais ta joie, la Bible dit que the joy of the Lord is my strength. La joie du Seigneur est ma force. Ça veut dire que la joie là, c'est une puissance. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des mois de ma vie où ce n'était pas seulement la Bible qui m'a donné la joie. Et le mois où j'étais down, je ne vais pas mettre la chanson là, Unstoppable, où je mets Rihanna. I came to win, to try, to prosper, to fly. You came to win, to survive, to prosper, to rise. Les lyriques là sont très puissantes. Je suis venu pour gagner. Je suis venu pour prospérer, pour gagner, pour voler. Il y a des moments où c'est ça que je dois mettre pour que ça joue. C'est ça qui me donne la force. C'est pas tous les jours que je vais mettre mon meilleur ami. Il y a des jours où c'est pas mon meilleur ami qui me soutient. Où je reste comme ça dans mon esprit. Et vous devez aussi apprendre à écouter votre esprit. Parfois ton esprit va te. De toute façon, ça là, tu es un peu down. Il y a une chanson qui joue dans ton esprit. What doesn't kill you make you stronger. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Ce qui ne te tue pas te rend fort. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. Vous devez comprendre que la nature, l'univers, Dieu va vous montrer. Va vous parler par plusieurs fois. Quand j'étais seulement à l'église, on disait, ah, ce sont les chansons du monde. Ah, ce sont les chansons du monde. Comment tu peux écouter ça? On voulait que tu écoutes les chansons. Ils disaient, je suis bien sans toi, Seigneur. Seigneur, tu es mon tout. Moi, je ne suis rien. Je suis un pauvre petit cancre là. Faut avouer qu'il y a des chansons de l'église que quand tu écoutes, tu vas aller te coucher, penser sur ta vie, dire oh Seigneur. Oh Seigneur. Donc vous devez avoir le discernement. Ayez le discernement spirituel. Vois comment ce que tu chantes là, comment ça te fait te sentir. Salma, c'est une très belle journée. Et bon, je vais te donner la dernière astuce. Quand tu te réveilles, peu importe, même si tu es au deuil, on va l'enterrer ton mari là. Parle sur ta journée. This is gonna be a good day. Oh yes, I can feel it. Tu ne sens pas, tu vas te faire sentir. Tu vas que sentir. Oh. Talk yourself into happiness. Talk yourself into happiness. Vous attendez toutes les paroles des autres personnes pour venir vous encourager. Parce qu'il y a des gens qui sont contents quand vous êtes malheureux. Lève-toi un peu, tu passes devant tes voisins en chantant. Unstoppable. Mm-hmm.
la mamie là. Tu as la veste depuis le matin. Ouais, regarde. Je t'ai dit qu'on n'écrit pas la facture. Pourquoi tu as écrit la facture, c'est comme ça? Tu as fait l'erreur sur la facture. Hein? Et vous assurez, faites ça ce matin, vous allez voir. Quelqu'un va venir essayer de gâter votre bonne humeur. Quand la personne fait, ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu. Arrête-toi. Ok, il y a quoi? Je fais quoi? D'accord. J'ai oublié cela. Ah, désolé. Excusez-moi, vraiment. J'avais seulement oublié. Ok? Vraiment. Je vais frotter encore les assiettes là. Ah oui, je devais envoyer plutôt 50 000. J'ai envoyé plutôt seulement 20 000. D'accord, je m'excuse. Je vais aller faire le dépôt tout à l'heure. Ok? D'accord. Tu finis avec là. Parce qu'il y a des gens que le matin, on les envoie. Tant qu'ils ne gardent pas ta paix, lui-même, il ne sera pas content. Et quand tu le laisses prendre ta paix, malheureusement, il y a beaucoup de personnes mariées que c'est comme ça. Tu es avec ton mari à la maison, c'est comme si vous battez. Vous vous battez avec les humeurs. Il va, tu es en train de chanter. Ah, je suis pressé, je suis en retard au boulot. Laisse-moi aller. Tu n'as pas fait mon déjeuner ce matin. Hein? Ah, chérie. Parce que quand tu laisses la personne prendre ta... C'est comme si tu prenais ta bonne humeur, tu mettais dans ses mains. Parce que l'instant où tu vas gâter ton humeur, je t'assure, la personne va devenir plus heureuse qu'avant. Merci pour les cœurs, merci pour les partages. Merci Michel pour le partage. Je te dis que l'affaire de les collègues alors c'est grave. C'était parmi vous, vous travaillez. L'endroit où votre milieu de service, c'est comme la jungle. C'est comme si les gens qui avaient là-bas une boîte le matin pour sucer. Ils viennent avec la boîte comme ça. Ils cherchent les bonnes humeurs. Bonne humeur, oui. Ils gardent la boîte. Bonne humeur, bonne humeur. Oui. Bonne humeur, bonne humeur. Ils payent quête. J'ai 23 personnes. Ok, il manque encore 6 personnes. Bonne humeur, bonne humeur. Même vos patrons, il y a des patrons aussi comme ça. Donc, à un moment, tu vas comprendre que c'est comme si c'est une bataille de paroles. Tu arrives le matin, voilà, vous tous, vous êtes là, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Ah, 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 Nagoti. Quand c'est comme ça, dès que vous vous levez de l'endroit, toi-même, tu repars, tu te reprogrammes. La journée va bien se passer. Elle va bien se passer. Tout va bien se passer. Everything I put my hand go walk. My name go open doors. Good news go locate me. My life no go end in shame. If you believe me, say amen. 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 Écoutez, fais même le challenge aujourd'hui, hein. Mettez la musique, tu fais même 30 minutes de danse, tu mets les bonnes chansons que tu aimes là, ouf, tu danses comme ça, tu vas voir comment la mauvaise humeur va quitter sur toi, la mauvaise humeur va quitter sur toi. Hey, I've come to give you glory, I've come to give you praise, I've come to give you worship, I've come to give you worship, Baba. Oh yeah, oh, oh. Oh yeah, thank you for life, oh. Thank you for peace of mind, thank you for mercy, God you've been so good to me, oh yeah, Jesus, my Jesus, we will sing your name, oh. C'est ton devoir de te rendre heureuse. Écoutez bien, c'est ton devoir. Et vous allez voir que les enfants sont toujours heureux. Quand tu vas rester, si tu as les enfants avec toi, si tu viens avec tes, tu as les neveux, mets la musique, tu commences à danser, tu vas voir qu'ils vont quitter de toute la maison, les coins là où ils sont là, ils vont venir danser avec toi. Les enfants aiment la bonne humeur. La preuve, parfois nous, on trouve l'enfant de chanter, il est trop content. On va le gronder pour gâter. Bonjour Léo. Bonjour.
Pourquoi l'enfant c'est trop content? Mouf qui là-bas, tais-toi. Tais-toi. Écoutez que, ouais, testez ce que vous dites ce matin. Tu dois avoir ta playlist de bonne humeur. Dès que tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Généralement, je prends ma douche avec la chanson. Quand je me lève, tiens, j'ai petit tout à fait le matin à la maison en m'apprêtant. Je suis toujours avec la musique. She's just a girl and she's on fire. This girl is on fire. Oh. Vous devez avoir votre pied. La playlist, quand tu écoutes. Gars, en sortant le matin, là, ta tête est comme ça. Looks like a girl but she's a flame. So bright she can burn your eyes. You better look the other way. You can try but you never forget her name. Bonjour, c'est Serzane de l'île Maurice. Oh, oh my God. Écoutez, peut-être bien vous donner un secret à votre bonheur que vous ne saviez même pas. Il y a certains d'entre vous que tu te mets à prier, tu vas prier pour deux minutes, tu es fatigué. Mais tu mets la musique là, tu sens comment ça te pompe l'énergie dans le corps. Ça te pompe. Parce que l'énergie, la musique sont des vibrations. Ce sont des ondes, ce sont des vibrations. Bonjour, monsieur Bonapriso 5. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, Douala. Je suis à Douala dans quelques temps. Libreville aussi. Donc, vous pouvez venir acheter des produits aussi. Donc, je vais vous donner les numéros. Bonjour, Anne-Lie. Je donne les numéros et puis je pars. Ok. Douala, le numéro, c'est le 693. 50 22 66 6 93 50 22 66 6 80 71 07 01 Gabon 07 41 80 0 80 07 41 80 0 80 Voilà. So bright you can burn your eyes. You better look the other way. You can try but you never forget her name. Douala, c'est 693 50 22 66. Il n'y a pas de femme de sa vie, Bonapriso. Il n'y a pas de femme de sa vie ou d'homme de sa vie. Tu mûris et tu apprends à t'accrocher dans la relation. Tu t'assures que la personne a les bases de ce que tu veux. Si à la base, déjà, toi, mais maintenant, tu transformes. Parce que tu l'as changé. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un, c'est la bonne personne, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu laisses partir la personne. Le pire des regrets, c'est quand tu regrettes ton ex. Si je savais, j'étais plus patiente, j'aurais dû attendre, j'aurais dû. Tu n'attends pas, tu quittes le gars, et puis 2 ans plus tard, le gars commence à avoir les sous. Il dit, oh, c'était l'homme de ma vie. Oui, c'était effectivement l'homme de ta vie. Maintenant, tu n'étais pas prêt. Donc, je pense que le plus important, c'est d'être prêt. Quand tu es prêt, cette personne viendra à toi. Quand tu es prêt, tu sauras. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas sur les relations. Parfois, quand on voit les TikTokers, les gens sur TikTok, ils font des vidéos, ils sont heureux. Tu les regardes, tu dis, ah, regardez ma part de mari, ça y est, son gros ventre. Il y a une dame que je suis souvent sur YouTube, là. Son mari est bien costaud, il a un gros ventre. Elle aime notre mari jusqu'à. Elle est mince. Ils font des vidéos ensemble. Elle a appris à aimer. Donc, elle aime son mari, peu importe. Donc, je pense que l'affaire d'homme de sa vie, là, il n'y a pas vraiment ça, aux femmes de sa vie. Quand tu es prêt, la bonne personne se pointe. La bonne personne se pointe parce que tu as pu voir les bons côtés de cette personne. Toute personne a les défauts. C'est n'importe quelle femme qui est mariée avec n'importe qui, n'importe quel homme qui est, le fait 20 ans de mariée, tu sais que ton homme a les défauts. Tu as appris à lire à travers ses défauts. Tu as appris à façonner ses défauts.
Il y en a qui ne sont pas prêts pour être dans une relation stable. Il y en a, on a des insécurités à l'intérieur de nous. Il y en a, on a nos propres ambitions. Quand tu rencontres quelqu'un, le mariage, c'est volontaire. On reste avec quelqu'un volontairement. La relation se travaille. La relation se travaille. Tu passes ton temps à quitter. Tu quittes les personnes. Parce que souvent, quand tu quittes la personne, tu arrives sur la prochaine personne, tu commences à voir plutôt les qualités de l'autre. Tu vois bien les qualités de l'autre. Tu dis, mon ex, c'était bien avec ça. Quand tu quittes celui-ci, tu vas dire, mais mon ex, c'était bien avec ça. Donc, peut-être que tu restes là où tu es. Et moi, j'ai compris en fait que tout partait de moi. Je travaille d'abord sur ma bonne humeur. Si je suis de bonne humeur, gars, que tu sois ou pas, moi, je suis déjà d'abord. Et attends pas que toi, tu viennes me rendre. Parce que si tu te lèves, tu es heureux. Je suis heureuse. C'est bien. Mais si tu es heureux, je ne suis pas heureuse. Je vais vouloir que tu me rendes heureux. Heureuse. C'est pas bon. Ouais, c'est ça. On quitte 80% pour aller chercher 20%. C'est ça. Et quand tu arrives sur 20%, tu dis, wow. Wow. I didn't know that. Like, you know what? Thank you. Bye. Thank you. Next. You know. Just, je pense qu'on devient prête pour la relation et surtout d'accepter ses défauts. Parce que si tu as foiré l'ancienne relation, c'était toi. Je me suis rendu compte un jour, dans ma propre analyse de moi, qu'il y a certaines peurs que tu as. Que tu rencontres un gars. Tu as peur qu'il te trompe. Tu as peur que. Le gars, normalement, c'est pas quelqu'un qui trompe. Non, c'est pas un truc qui. Parce que tout le monde peut tromper. Tu as tellement peur que chaque fois tu te dis, oh, je suis sûr que tu me trompes. Je suis sûr que. Tu appelles la tromperie là toi-même encore. Le jour de Trump, voilà. Tu ne sais pas que c'est toi qui as appelé ça. Donc, il y a certaines de vos peurs. Ça, c'est un truc que Dieu m'a montré récemment. Il y a des peurs qui se manifestent sur tes partenaires. Genre, vois que tu avais peur que l'autre te fasse ça, il t'a fait. Tu avais peur que l'autre te fasse ça, tu vas te faire. Mais dans celui-ci, tu as encore peur. Tu vas attirer la même chose sur lui. Donc, il y a parfois des comportements en nous qui transforment les gens avec qui on est. Avec son ex, il n'était pas comme ça. Avec sa future, il n'est pas comme ça. Mais c'est toi. C'est parfois difficile de comprendre que c'est ça. En fait, non, c'est moi. Je pensais que c'était lui. Mon ex, là, il est méchant. Il était méchant. Je pensais que c'était lui. Mon père, c'est lui. C'est... Non. I must change myself. I must be more happy. Be happier. Faut si vraiment pour les infidélités, je ne saurais te dire que j'ai le remède des infidélités d'un homme. Ok? Généralement, un homme te trompe parce que. Il y en a qui c'est chronique. Il y en a qui se sentent pas assez que t'es avec toi. Si j'étais un homme, je le dirais mieux. Mais aussi, il y en a que tu le repousses, tu le critiques beaucoup et il se sent mieux ailleurs. Il y a beaucoup de raisons, mamie. Mais vraiment, je ne veux pas rentrer dans ça. Je parlais de bonne humeur. Donc, on va rentrer dans la bonne humeur. Si tu as ta bonne humeur, même si ton gars te trompe et que tu as même mis ta bonne humeur ce matin, tu t'en fous de cette trompeuse. Il m'en fout de ça. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui font les choses pour attirer votre attention. Mais quand vous en foutez, alors c'est grave. Il dit que. Yeah, yeah. Mais j'ai une amie là. Oh non, elle m'avait gagné un jour. Un soir, elle me dit, je crois qu'on avait prié jeudi. Son mari la trompait beaucoup. Elle a décidé un jour que. Je lui ai dit que si tu décides de quitter l'homme, si je te soutiens, si tu décides de rester avec lui, on va prier seulement pour qu'il change. Tu ne vas plus jamais te plaindre. Au bout de 6 mois, elle me dit un jour, elle me regarde, elle me dit, est-ce que tu sais que tel mois-là, il y a cela 6 mois, il est rentré. Tu vois le taxi qui m'a appelé, hein, parce que ma copine est en Angleterre. Le taxi m'appelle, qu'il est quitté de Birmingham, il est à Coventry, ça peut-être à 30 minutes, l'une de l'autre, les deux villes. Il est là-bas avec ses amis. Après, le taxi m'appelle. Oui, c'est vous la femme de monsieur qui est dans ma voiture. Il est sous. Je le dépose où? On le dépose là. C'est elle qui paye. Le matin, elle voit sur son habit. Tache de rouge à lèvres. Make-up. Elle prend l'habit là. Elle prépare sa bonne nourriture préférée là. Elle est sur la lune. Donc, elle appelle. Elle dit, allez, body. Elle dit, baby. Elle a pris sa nourriture préférée. Venue le servir ça dans le lit.
maman qui m'a raconté ça. Et 6 mois plus tard, quand elle a dû me parler, leur couple était déjà en train de s'améliorer. Ils savaient qu'elle, elle était très hystérique. Ma copine, elle est gentille. Le jour où j'ai vu, elle a déconné avec son mari. Je sais ce qu'on sera. Quand elle commence, hystérique, elle va te dire. Donc, il était fatigué de bavardage à la maison. C'est pour ça qu'il sortait sans cesse. Mais quand elle venait se plaindre à l'église, elle ne nous disait jamais. Le jour où j'ai vu moi-même, et son mari était très calme, il ne se plaint pas, il ne parle pas. Donc, si on veut rentrer sur les histoires des maris et femmes, j'ai beaucoup d'histoires. C'est toujours qu'il y a toujours quelque chose que tu as fait. Ce n'est jamais totalement celui qui est parti tromper, ce n'est jamais totalement lui. Et je suis non. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Alors, mettez vos musiques. J'aime beaucoup la chanson. Rihanna a une chanson là. Elle dit She's to the freaking weekend. I'm drinking to that. Yeah, yeah, yeah. Oh, la la, j'aime ça. Yeah, yeah, yeah. Don't let the bastard get you down. Turn it around, we're not around. Tu prends une petite bouteille de cognac là. Tu mets la musique à fond. Life's so sweet to believe in wrong miserable. People gonna talk whether you're doing bad or good. Yeah. Get my dreams on. Cheers to the freaky weekend. C'est vrai que c'est la chanson pour les gens qui boivent, mais bon, ne vous encourage pas de boire, hein, ok? Ne vous encourage pas de boire. Bon, je vous passe ma bonne humeur. Bonjour la reine Roland, bonjour, bonjour. Je vous bénis, je vous bénis, je vous couvre d'amour, je vous couvre d'amour, je vous couvre de lumière, je vous couvre de lumière, je vous couvre de lumière. Come and drink, come and mind, my mind, my money. Ah, elle dit que j'ai ma boisson dans. J'ai go to drink on my mind and my money. J'ai ma boisson dans ma tête, j'ai ma tête sur mon argent. Tu écoutes ça. 10h95 de nana, je ne ferai pas d'étoiles aujourd'hui, je ne parlerai pas d'étoiles. Vous avez suivi nous. Je suis en train de parler de comment garder la bonne humeur. Ok. Si tu peux déjà garder ta bonne humeur tous les jours, ça c'est super. Benoît Sordine Bidia, si tu penses que les gens sont censés te donner l'argent, tu as un esprit qui veut seulement. Tu travailles avec les gens ont l'argent, on ne te donne pas. On ne donne pas l'argent à n'importe qui. Pourquoi on te donne l'argent? Il faut que tu sois déjà full. On ne donne pas l'argent là où il y a manque d'argent. Tu dois te sentir d'abord pleine. Il y en a parmi vous, ne radiez pas le bonheur. On te voit en train. Bonjour, monsieur. Dans ta tête, tu es là. Donne-moi ton argent. Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Pourquoi tu me donnes l'argent? Sois heureuse. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui? Ah, oui, d'accord. Ok, c'est avec plaisir. Alors, tu blagues même avec. Si moi, j'étais serveuse, ce qu'on me donne le pouvoir jusqu'à. Jusqu'à. Parce que vous là, vous les. Comme ça. Tu vas me donner l'argent. Hein? Ok. Personne ne te doit rien. Garde ta bonne humeur, tu vas voir. Quelqu'un qui t'a pas vu depuis même 3 mois va t'appeler pour dire que j'ai ton argent qui te devait l'argent. Vois comment. Il ne t'a pas vu. Il n'a pas vu tes statuts, rien. Mais tu es resté le matin là, tu avais la bonne humeur. Today is gonna be a good day. Je fais ta petite yoga, ta petite méditation. Je mets ta petite musique. We'll be all night. Love will be all night. Oh. Hey. Oh. C'est parce que je n'ai pas les droits d'auteur. Si je joue la musique, les slaves vont commencer à dire que oh, on va couper votre direct, madame. C'est comme ça que Facebook fait. C'est que je jouais moi ça ici. I've been drinking. Hey. I get thinking when I get to me, baby. I've been thinking. Oh. I want you. Right now.
monde, l'argent aime le bonheur. L'argent poursuit toujours le bonheur. Toujours. Toujours. J'appelle à moi tout ce qui me revient. Je reprends ça de l'univers. Ça vient. I want you right now. Hey. I want you right now. We'll be all night, love. Love will be all night. Hey. Oh my God, Douce, you to say, Douce, Douce, so my soul. Tu vois, in and out. J'aime trop la partie de Jay-Z. Hein? Faut que j'apprenne son rap, je vais sûrement venir vous le faire. Au sex in the morning, your breast will be my breakfast. Il a des bons mots dans les chansons là. Bon, vous voyez un peu, non? C'est comme ça que tu remets ta bonne humeur en place. Tu tombes. Tu sors de quelque part, t'énerve, tu sens une boule là, ça arrive. Mais ta musique, tu chantes même toi-même. Tu chantes toi-même. Benoît, je ne pense pas. Quand il te lit, Benoît, je sens que tu es de voir moi, mais je ne vais pas te donner l'argent. Tu as compris? Vous pensez que les marabouts ne sont pas souvent de bonne humeur? Hein? Vous pensez que quoi? Hein? Pardon, laissez-moi pas, bye, bye. Bon. Mais je ne vous cache pas que j'ai aussi des moments où tout ce que je vous ai donné, ce sont des choses que moi-même j'utilise. Parce que j'ai beaucoup de batailles de pensée. C'est que vous aimez quand on vient vous donner les choses, on vient vous dire cela que, ouais, non, moi, tout va toujours bien pour moi. Hein. Moi, vous voyez, moi, je suis toujours souriante. Moi, je n'ai jamais de... Non, moi, je n'ai jamais de dépression. Moi, j'ai jamais... Comme ce matin, je me suis réveillée. Avant de vous dire que j'ai vu le soleil, j'ai regardé Madame Soleil. Non? Avant que je regarde Madame Soleil, mauvaise humeur, problème. Puis j'ai dit non. Snap out of it. Tu toises la mauvaise humeur. Il m'en fout de toi. Bon, excusez-moi. Je vais vous montrer tout aujourd'hui. Bon, bye bye. 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 TikTok, bye. Vous voulez pas que je parte? Facebook, bye.